Vous avez un lauréat, vous avez fait une étude supérieure, vous avez franchi une autre étape dans votre vie, vous êtes arrivé dans un excel dans une bonne étude. Maintenant, vous avez un nouveau skills que vous avez développé. Nous, souvent, nous causons 21st century skills. Une des bonnes affaires les plus importantes, c'est maintenant d'apprendre à travailler en collaboration, à partager les connaissances. C'est ça, bonne skills que vous avez développé, et peut-être l'une des plus importantes de notre époque-là. Aussi, bien sûr, de vous développer votre connaissance, de vous développer votre expertise, nous sommes contents que vous êtes capable de contribuer dans le développement du pays aussi. Si on retourne au pays, c'est encore mieux, mais si jamais vous optez pour rester ailleurs aussi, avec la technologie aujourd'hui, il n'est pas difficile de vous contribuer au développement du pays. Alors, nous attendons que vous continuez à faire bien, que vous continuez à faire du progrès, mais qu'en même temps, vous pensez au pays. Et aussi, quand vous êtes à faire cette étude, vous pensez aussi en termes des besoins du pays. Le pays, là, peut lancer un nouveau pilier économique, nous cause de la biotechnologie, nous cause de green economy, blue economy, ocean economy, nous cause aussi de ce qu'on appelle les smart cities. Mais en gardant tout ça en tête, nous devrions faire le choix qu'il faut pour les études supérieures.